C'est Darkraft et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de ma série Survie. Alors j'espère que cette série vous plaît. Voilà. Alors si je me rappelle bien, on n'avait pas terminé notre future maison. Donc normalement on l'avait pas terminé si j'ai une bonne mémoire. Ce qui parfois peut n'être pas le cas. Alors, et oui, voilà, en fait, effectivement, j'ai une bonne mémoire, donc, ok. Il nous faudrait au moins 2 stacks pour avoir vraiment assez pour la finir. Donc, c'est parti, allons couper des arbres. Je sais, ce n'est pas bien, mais on veut faire notre maison. On est bien obligé. Donc, c'est parti. Donc, j'espère que l'épisode 9 vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et donner des avis, bien sûr. Et laissez un like. Si vous laissez un like pour moi, ça voudra dire que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à laisser un like sur les vidéos que vous regardez. Voilà, je suis très attentif comment dire, aux notifications, c'est-à-dire je surveille tout le temps, je suis tout le temps connecté sur tout ce qui est YouTube et Twitter. Vous pouvez aussi maintenant me suivre sur Twitter. Je viens tout juste de me créer un compte. L'adresse se trouve sur ma chaîne. Là, vous avez juste à cliquer en fait l'adresse, le lien, et vous allez sur ma chaîne. Et là où il y a la photo, on va dire l'illustration de la chaîne, c'est-à-dire une grande photo où il y a marqué Darkrafting, vous avez le lien juste en dessous. Vous cliquez dessus et bim, vous serez directement dirigé vers mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas surtout à me follow, c'est-à-dire à vous abonner pour suivre toute l'actualité de ma chaîne. Donc je partage plusieurs trucs, plusieurs on va dire, je tweet pas mal. Voilà, je partage aussi des photos. Donc, voilà, si vous voulez suivre tout ça, alors n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter, le nom qui est Darkrafting normal. Mettre pas notre nom, alors ça par rapport à ma chaîne, donc ça servirait complètement à rien. Voilà, alors là on a combien, 17? Ouais, pas assez. Et petit cochon, là tu sors de là où je vais devoir t'assassiner pour te manger. T'as de la chance pour l'instant, j'ai à manger. Je vais essayer aussi bien sûr de me faire un poulailler, c'est-à-dire en fait les poules pouvaient les attirer avec les graines de blé. Par exemple, prenez une graine de blé dans votre main comme là je prends du bois, voilà. Prenez ça, vous allez devant la poule, dès qu'elle vous regarde, mais en fait vous continuez, on va dire continuez à marcher, normalement elle doit vous suivre. Donc n'hésitez pas surtout bien sûr à vérifier qu'elle vous suit, n'allez pas trop vite car sinon elle vous suivra pas. Voilà. Donc là, on va jusqu'à 30 coupeaux de bois et on sera bon pour finir la maison. 30, on a vu que dans l'épisode précédent, ça avait fait deux stacks, c'est-à-dire 62 fois 64 planches. Donc, normalement, si je me rappelle bien, je crois que c'était 30 qu'on avait. On va prendre le reste comme ça. Si c'est vraiment le cas, j'ai vraiment raison. Alors, hop, nickel, c'est bon. Oulala, c'est quoi ce truc là-bas? Non, mais c'est la maison de Darkrafting. Oh là là. Voilà, c'est sûr que là elle paraît moche parce qu'on n'a pas encore fait, on va dire, on n'a pas fait les fenêtres, on n'a pas mis les vitres. On va dire la maison, le plus gros, on va dire, est bientôt terminé. Après, il ne restera plus que la déco. On appellera des spécialistes. Mince, ouais, faut peut-être que je fasse mes planches. Moi. Alors, est-ce qu'on va avoir les deux stacks, c'est-à-dire 2 fois 64? À mon avis, non. Ah, donc on a fait plus que 30. Sûrement 35 alors.
Sûrement, sûrement 35. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va monter de 4, je pense que ça sera le mieux. Pas assez haut. Va être chaud, chaud, chaud. Bien, c'est qu'il n'y a pas de monde, c'est nickel. De toute façon, là, on est assez haut, donc on n'a pas trop, va pas trop craindre. Même pour finir normalement, ça devrait être. Il manque, on en fait une autre petite maison pour pouvoir se consacrer à faire d'autres choses, c'est-à-dire comme je vous ai dit, un petit poulailler. Bon, d'abord pour ça, il faut trouver les poules, donc il vaudrait mieux pas trop s'éloigner pour pas se perdre, car si on aurait une carte aussi, ça serait cool. Mais on n'en a pas. Hop. Ouh, il fait tout noir. Bon, on va faire de suite des ouvertures. Il manquera plus que les vitres. Les vitres, je crois que si je me rappelle bien, il faut de l'argile. Je me rappelle bien, hein, je dis, mais normalement, il faut de l'argile. Déjà pouvoir en trouver. Ça aussi la survie. Hein. On n'a pas tout. Pas en créatif. Hein. En créatif, vous tapez sur E et boum, ça y est. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin de chercher ni rien. Donc créatif, c'est quand vous voulez faire inventer des constructions. Après créatif, vous pouvez pas non plus trop vous amuser, à part comme je dis, pour créer des constructions. Pour vous amuser, franchement, en créatif, moi je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie, je suis obligé de faire de la survie. Il y a, on va dire, il y a pas mal, il y a plus d'action que si c'était créatif, parce que du t'es là, t'as tout, donc t'as rien à faire à part construire, et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est plutôt, on va dire, c'est juste pour s'amuser. Donc voilà, nos ouvertures sont faites. On va essayer, on va aller faire une porte. Ouais, on va aller faire ça. Je n'ai pas de laine pour faire le lit. Et oui. Ah oui. Faire la porte. Nickel, nickel, nickel. On va faire des torches aussi. Et on va faire pas mal de sticks. Voilà, comme ça, on va se faire des torches. Voilà, 40, nickel. 40 torches, c'est bon, nickel. Le charbon. Tout ranger. Ah ben, on va faire une pioche, non, on fera plus tard. Garder. On va garder. Ouais, c'est parti, allons mettre notre porte. Ah, là déjà quand même ça ressemble déjà un peu mieux à quelque chose. Hop, hop, nickel. Ça fait 10 fois plus joli là. Hein. Ah oui, hein. C'est plus joli. Donc voilà, il manque plus qu'à aménager tout ça. Donc ici bien sûr ça sera moi, c'est-à-dire là où il y aura mon lit en bas. Ça on verra si on a plus de place, on, eh bien, on mettra les choses en bas. Est-ce que ça pousse ici? Oui, ça pousse, mais très lentement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait, ah oui, l'argile, non, commencer pour
bon ici. Ouh, saute pas sur les... Ouh là là. Alors, y a-t-il de l'argile ici? Ça m'étonnerait. En plus, c'est beaucoup trop profond après. Envie de mourir. Falloir chercher autre part. Ah oui, hein. Bon, pas grave. On va aller miner un peu pour finir l'épisode. Donc, on a fini notre maison. Il reste plus qu'à faire les petits trucs. Mettre les vitres, mettre ça, les vitres, mettre les vitres et faire la déco. Donc trouver du mouton et faire le lit. Après on verra parce que là j'ai plus beaucoup de choses. Alors comme maintenant on a des torches, on va pouvoir enfin éclairer, enfin qu'on va pouvoir éclairer tout ça. Alors, oui, non, je voulais dire un truc, mais non, en fait. Donc oui, surtout, n'hésitez pas à à vous abonner à mon compte Twitter, si vous voulez suivre toute l'actu de la chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous le voulez, bien sûr, si vous voulez pas, tant pis. Mais pour ceux qui veulent suivre l'actualité, j'annonce aussi quand les vidéos vont sortir. Bon, je vous dirai pas sûrement le titre. Et vidéo à telle heure, au moins on sera peinard. Donc voilà, on va essayer toujours de descendre jusqu'à la couche 11. On est déjà à la couche 23, pas mal. On va vite avec la pioche en pierre, une pioche en fer. Vous savez qu'une pioche en fer est plus solide, du moins elle dure plus longtemps, oui, plus solide qu'une pioche en or. Franchement, si vous avez jamais vu la différence et jouer, enfin, je sais pas comment on pourrait faire, il faut que vous jouez, trouvez de l'or, vous faites une pioche en or et vous trouvez du fer, vous faites une pioche en fer. Et vous en essayez une, dès que l'autre est cassée, vous essayez l'autre et vous allez voir la grande différence de malade. C'est un truc de dingue quand même, comment les pioches en or ne durent pas du tout longtemps. Donc ça y est, on est à la couche 11 les amis, donc on va voir enfin du moins... Normalement trouver du diams, moi j'espère, parce que pour l'instant on a trouvé que du fer et du charbon. Mal, c'est un bon début, vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, donc voilà, hop, on va se créer une petite truc parce que là je vais pas descendre plus bas parce qu'après plus bas c'est la lave normalement. De la redstone, impeccable, faire des pièges à mob. Comme j'ai pu vous présenter dans mes tutos. Oh! Qu'est-ce qu'on voit là? Du lapis-lazuli. C'est bien ça. Lapis-lazuli, voilà. Non, parce que ça ressemble tellement au truc. Donc les amis, je vous dis ici, on a trouvé... on se quitte ici, on a trouvé de la redstone. Impeccable. Ouais, impeccable, rien à dire. C'est cool. On est content, on est fier. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et aller me suivre sur Twitter. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye tout le monde!